une deuxième question, et cette question la voici, il me faut pour monter sur scène maintenant. Le nom du chanteur que vos amis ont connu noir et que vos mamans ont connu blanc. Si vous avez le nom de ce chanteur, silence, pécan, te diable en l'air, maintenant et... Inutile de sauter, inutile de crier, car une fois de plus, je sais déjà à qui je vais demander. Ah, je vais demander aux mecs d'entre vous, car cette fois-ci, oui, c'est bien d'un mec dont il s'agit, qui avait déjà la bonne réponse à la question tout à l'heure. Et ce mec, oui, ce mec, je sais qui c'est. Car... Comme tout le monde a été très rock and roll aujourd'hui, tout le monde va pouvoir faire comme dans un vrai concert de rock and roll qui ne se regarde pas assis mais debout. Alors tout le monde se relève, un concert de rock and roll c'est debout. Oui, mais debout, collé à la scène. Alors les enfants qui sont en redescendre s'avancent et se collent à la scène. Et si vous n'êtes pas collé à la scène, collez vos enfants qui sont collés à la scène, car c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Ne vous appuyez pas sur les enceintes qu'il y a devant, sinon elles vont vous tomber dessus et vous allez mourir écrasé. Ok, tout le monde descend, mettez-vous sur les côtés, au centre, sur les côtés, au centre. Et je pense que on commence à être un peu complet. Là-bas, il faut descendre de la scène. Ok, ok. Et ici, il faut tous se reculer un peu, sinon les 3-5 ans, ils vont mourir étouffés. Ok, on est pas mal. Sur ce prochain morceau, il va falloir que toutes et tous vous fassiez deux choses très importantes dans le rock'n'roll. La première de ces deux choses, c'est des poses de rock'n'roll. Qu'est-ce qu'une pose de rock'n'roll? C'est à un moment donné, on fait l'ordre des diables et on ne bouge plus du tout. On va vous montrer l'exemple ici, sur scène, à trois poses de rock'n'roll. 1, 2, 3. Je veux voir absolument toute la salle, enfant devant et grand derrière, faire des poses de rock and roll. 1, 2, 3. Oh oui, et ensuite. Ensuite, il va falloir danser le rock and roll. Comment on danse le rock and roll? C'est très simple. Tout le monde lève les cornes en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si vous avez des enfants dans les bras, lâchez-les. Et on saute sur place. Ok, mais pour l'instant, on ne bouge plus. Et surtout, on ne dit plus rien. Car le Wacky Blues Pipinger va chanter le prochain morceau dans son incroyable microphone de Hello Kitty. Pour ce début de morceau, s'il vous plaît, sur scène, corne en l'air. Corne en l'air sur scène. Tout le public, les cornes en l'air, et maintenant, dans un silence total et absolu, personne ne bouge et tout le monde écoute Hello Kitty donner le départ du morceau. Et tout le monde attend.
de réverb sur les voix. Ensuite, ça va être extrêmement simple. Eux sur scène vont devenir les meneurs. Et vous, dans le public, les suiveurs. Eux sur scène vont maintenant s'accroupir. Accroupissez-vous. Accroupissez-vous. Et vous allez voir que maintenant, absolument toute la salle va s'accroupir. Et vous ne pouvez pas rester debout car...